L'Église catholique et la Nouvelle Alliance, le nouveau contrat que Dieu propose aux hommes depuis 2000 ans. Contrairement à l'ancienne alliance qui était uniquement destinée et réservée aux Hébreux, au peuple élu, la Nouvelle Alliance est universelle, elle est destinée à tout le monde. Il ne faut pas voir l'Église comme une société uniquement intellectuelle ou désincarnée. L'Église est complètement centrée sur un seul homme, Jésus-Christ, qui est Dieu sur terre. Tout gravite autour de Jésus, et donc du récit des évangiles, qui sont des reportages sur la vie de Jésus avant et après la résurrection. L'Église est la manifestation explicite de l'amour et du souci que Dieu a pour les hommes, qu'il a créé à son image le sixième jour. C'est l'expression du souhait que Dieu a de sortir les hommes de l'abîme dans lequel ils sont, depuis le péché de leurs ancêtres communs, Adam et Ève. Les promesses de Jésus incluent entre autres l'annulation de la mort, la vie éternelle corps et âme. Les catholiques sont ceux qui appartiennent à cette famille, à cette nouvelle alliance, ceux qui ont accueilli la nouvelle religion. Pourquoi les catholiques sont-ils contents à Noël? Donc comme on l'a dit, l'aventure chrétienne, elle a été commencée par un homme, Jésus-Christ, qui est aussi Dieu. Et comme tous les hommes, Jésus est venu dans le monde par le sein de sa mère, la seule différence étant que son père biologique est Dieu et que sa mère est vierge. À Noël, les catholiques fêtent cette naissance, la venue de Dieu en chair et en os sur terre, accueillie au sein d'une famille juive du 1er siècle. Voilà pour aujourd'hui, donc c'était assez court, mais bon, l'essentiel y est, c'est plus important. Donc bonne fête et à l'année prochaine!